Je veux dire, nous voulons parler d'un sujet qui s'est rendu compte que c'est un sujet qui est populaire. Et au regard de la Bible, rendre compte c'est une loi qui gouverne le royaume mondial. La question de rendre compte. L'homme est administrateur lié sur la terre et, vrai ou pas, l'homme est pour le rendre bon Dieu compte. C'est la parole de Dieu, il dit dans Romains 14, verset 12, si je cite texte, toujours, on parle de l'autre texte, il dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Ça veut dire que tout d'abord, nous devons nous rendre compte pour tête nous. Tout d'abord, nous devons nous rendre compte pour tête nous. Et par la suite, les gens qui ont une responsabilité, bon Dieu te bat au feu, nous devons nous rendre bon Dieu compte. Pour responsabilité ça. Tant que vous son père de famille ou son mère de famille ou bien pour rendre bon Dieu compte et bien pour responsabilité li te ba ou pour gérer ti moun pour te gérer ou bien gérer yo ou lagé ti moun yo ou pas instruit yo et bien ou mené yo n'importe comment yo lagé dans délinquance ça qui perdu la vie yo ça qui déréglé ça qui vraiment on capable dit perdu la bonne voie la route idéale eh bien vous allez rendre compte par devant Dieu parce que vous avez une responsabilité en tant qu'administrateur en tant que responsable et la parole de Dieu lui dit dans 1 Pierre 4 verset 5 ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, c'est Jésus-Christ. Eh bien, l'homme, il vient pour le rendre compte devant mon Dieu. Quel grand soir, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, ou encore c'est pas le lendemain, mais l'homme là, il vient compte pour le rendre quand même. Parce que rendre compte, c'est un principe lié. Son principe de responsabilité. Pour ne pas te rendre compte, il faut que ou pas être responsable. Or, ou responsable, ou c'est l'homme. Je dis, la question de rendre compte, il y a un peu le problème dans la société. Si nous avons ce qui a passé en Haïti, pas seulement dans la période ça, mais ça fait longtemps. Depuis qu'on parle de rendre compte, eh bien, les gens qui sont sous pouvoir, les gens qui sont en administration, quand ils ont demandé de rendre compte là, yo senti yo gen problème yo senti yo tourmenté au contraire gen moun même ki konn voye touye l'autre voye fizye moun parce que ou pa gen droit mande rendre compte ou pa gen droit mande et bien pou yo communiquer compte de ça yo t'a géré l'homme n'a pas voulu rendre compte mais l'homme n'a toujours prêt pour lui prendre responsabilité il est toujours prêt pour lui venir administrer il est toujours prêt pour lui venir gérer mais sou prêt pour venir gérer mon frère sou prêt pour venir gérer ma sœur faut qu'ou prêt pour rendre compte tout. Parce que la gestion avec un compte, yo maré ensemble. Ou pas qu'à prendre une pour quitter l'autre là. Son package lié. Ou bien pour un compte. Et, bagay ça, parce que, et son faiblesse lié à l'homme. Son faiblesse lié à l'homme. Gen moun li domine net allé. Gen moun qui domine sous li tout. M'capable dit en partie. Même les codes ils viennent rendre compte, ça pas fait le tout bien, mais la bine rendre compte quand même. Mais il y a monde même qui pas accepté rendre compte là même. Au contraire, lever la guerre avec vous parce qu'on pas rien droit demander ça, pas rien droit demander rendre compte. Et bagage ça y a fait dans toute couche dans société là. Quel que soit couche sociale qui existe là, eh bien l'homme là il pas décidé rendre compte, l'homme n'a pas admettre pour rendre compte. Mais l'homme n'a toujours prêt pour prendre responsabilité. Et c'est même bagage ça, même constat ça nous a fait. Nous avons dit dans l'église, yo, et les ministres de l'église, les responsables de l'église, ou les responsables des groupes au sein de l'église, ils ne peuvent pas rendre compte. Quand ils demandent de rendre compte dans le groupe, là, quand ils demandent de rendre compte au sein de l'église, ils commencent à tirer pied, ils commencent à dire qu'ils ne peuvent pas voler l'argent de l'église, ils ne peuvent pas bagarrer, parce que là, dès que vous avez dit ça, ils ne peuvent pas admettre, ils ne sont pas d'accord pour rendre compte. Mais ils sont prêts pour être responsables, ils sont prêts pour être occuper des fonctions, on est capable de dire sacerdotal, il est prêt pour occuper des fonctions administratives au sein du corps, au sein de l'église.
Yo prêt pour yo président choral, président groupe. Yo prêt pour yo pasteur, pour yo diacre, pour yo évangéliste, pour yo et m'capable di occuper toute une série de fonctions, mais yo pas prêt pour yo rendre compte. Kou parler de rendre compte, tout moun mauvais, tout moun fâche. Et vous n'avez pas sous table, gen problème avec les leaders de l'église, eh bien, c'est à mandé pour yon rendre compte l'église. Mandé pour yon rendre compte, mandé pour yon fournir des rapports, et m'capable dit, et dans le délai, m'capable dit que ça doit fait. Maintenant, vous pouvez voir que gen moun qui commence par marquer ou yon commence par abgado avec dédain. Yo ap gado a yo commencé par kembo à distance comme on dit mon yo ta dit yo commencé bo bo long kembe parce que ou pa gen droit ça ou pa gen droit mande compte c'est comme si ou voulez retirer nan corps même au contraire m konnen que tout moun ki nan corps tout moun ki fait partie ko Christ là tout moun ki c'est l'église eh bien yo gen accès pour yo mande yon lot compte surtout sur des responsabilités yo dwe mande compte parce que l'église la pa gen de fait en batab l'église la pa gen dwe nan cache là-dedans l'église la pa gen ki dwe m capable di ki serré faut que tout bagay paraît à clair faut que tout paraît bagay paraît en plein jour c'est comme ça li supposé c'est comme ça le dwe c'est comme ça Christ li te kon fè bagay yo malheureusement m capable di moi ça m'intéresse même pour te Christ malheureusement Christ pas de mission ça pour te gagner dans l'église que il t'a pas administré pour te montrer l'homme comment l'église gère parce que l'homme n'a malgré Bible dans main mais il décide de faire les choses autrement et rendre compte c'est une caractéristique l'homme intègre l'homme droit tout monde entend pas d'accord pour rendre compte quel que soit dans l'état quel que soit dans privé quel que soit dans ton père de famille quel que soit ou mère de famille, quel que soit un homme religieux et un ministre de l'église, eh bien, il n'est pas intègre. De quoi il n'est pas d'accord pour le rendre compte, il n'est pas le rendre compte, il n'est pas intègre. Parce que et la notion d'intégrité, eh bien, rendre compte, c'est une caractéristique de l'homme intègre. La question rendre compte. Mais bien aimé mes frères et sœurs dans le Seigneur, je dis, ou qu'a pas décidé de rendre compte. Quand va décider rendre peuple la compte parce que on va dire j'ai payé ou administration bah qu'on a quelque à titouiller mais on va bien pour rendre bon Dieu compte quand même dans misère peuple là hier dans fatra peuple là hier et dans situation difficile peuple là hier valait monde qui mouri à cause de nous-mêmes qu'a dit j'ai payé a qui l'a payé a dans toute bagaille qui pas bon parce que nous gain gouvernail pays a dans mais nous eh bien, nous pas gain pour nous rendre bon Dieu compte, je dis, nous pas le rendre peuple la compte, pas un problème, mais n'a gain pour nous rendre bon Dieu compte. M'a parlé kounya là avec leader l'église qui toujours gain du mal, là il parlait de rendre compte qui est son mal, son couyo baio. M'a dit nous, monsieur, si nous pas ka rendre compte pas rentrer dans fonction. Si nous pas ka rendre compte pas rentrer dans poste, si nous pas ka rendre compte pas rentrer dans administration, si nous pas ka rendre compte pas prendre responsabilité mettre sous nous. Parce que pour prendre responsabilité, ou bien pour rendre compte, non seulement ou bien pour rendre compte devant mon Dieu, mais devant moun, ou pas administrer pour yo, dans quoi, et bien ou bien pour rendre compte. Je dis à nous pas rendre compte, et bien ou bien pour rendre bon Dieu compte quand même. Parce que bon jour qu'a privé, faut que nous rendre compte, parce que rendre compte, c'est une loi, ou a yon bon Dieu. On souhaite bon Dieu béni ou, que bon Dieu aide ou, et bien ou même qui parle, mais rendre compte, et bien ou a connaît, ou ap gen pou rendre compte quand même et si m'te ou m'te commencer familiariser moi à question rendre compte là parce que le Jésus m'a demandé pour moi rendre compte les ça pour pas penser que même j'aime te connait faire sous la tête m'va le fâcher m'va le mauvais ou bien m'va le tirer Jésus coup ou bien m'va le mettre en bas col Jésus-Christ ou pas capable faire ça yo parce que l'important pour commencer par habituer à rendre compte dans façon ou ap administrer côté ou ap gérer côté ou ap fonctionner. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Nous souhaitons bon Dieu béni. C'est bon Dieu capable d'accompagner vous. Déjà, bon dimanche et pourquoi pas bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu